Bonjour tout le monde. Ça y est, je commence à avoir un chat. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, en parlant de chat, vous avez choisi le chat. Voilà. Vous avez choisi dans les Diamond Painting d'Action que je vous avais présenté lors d'une précédente vidéo. Je vous avais demandé de choisir. En parlant de chat, en voilà encore un. je vous avais demandé de choisir quel diamond painting vous vouliez que je commence hein, dans les trois de Action. Donc il y avait le chat, il y avait l'oiseau et il y avait le paysage avec le pont. Et vous avez été plus nombreuses à choisir le chat. Voilà. Certaines d'entre vous ont quand même choisi l'oiseau, d'autres le paysage. Mais le chat a remporté le concours. Donc voilà, je démarre aujourd'hui. Donc je l'ai commencé cet après-midi. J'ai pas fait un grand morceau hein. cet après-midi. Je voulais en faire un plus grand. Mais bon, j'ai eu quelqu'un qui est arrivé à la maison, donc après j'ai remballé. Donc je ferai plus la prochaine fois. D'ailleurs, vous verrez juste à la fin, il manque à peine une dizaine de perles sur la fin que je n'ai pas eu le temps de poser du coup. Puisque comme je viens de vous dire, on a eu quelqu'un qui est arrivé à la maison, j'ai remballé, je n'allais pas faire mon diamond painting. Bon, donc il y avait quelqu'un chez nous. Donc il manquait juste ces petites perles là, mais c'est pas un problème. Alors, mon premier ressenti déjà, les perles sont nickel, hein. Il n'y a pas de déchets. La toile colle très très bien et toutes les perles sont bien du même diamètre hein, puisque là ce sont des perles rondes, donc je n'ai pour l'instant pas de problème. Bon, c'est le début, mais je pense que ça va aller comme ça jusqu'au bout. Alors là vous allez voir que je n'ai pas rangé mes perles dans une boîte. Parce que je n'ai pas là sous la main de boîte disponible pour l'instant. Elles sont prises avec le grand diamond painting. Et j'ai pas eu encore le temps de ranger les perles aussi du dernier pour le cheval blanc. Voilà. Donc là je vais faire le kit. Directement avec les sachets et je les referme avec un petit bout de scotch comme ça. Bon, c'est pas très gênant, de toute façon c'est pas un très très grand kit, donc ça va aller. Sinon pas grand chose pour l'instant, en sachant que c'était mon préféré aussi, donc je suis contente que vous l'ayez choisi. Les couleurs sont un peu vives, ça ne me déplaît pas par rapport aux autres kits. On verra ce que ça va donner à la fin pour le résultat. Voilà, alors je vais vous laisser visionner. Là vous verrez que la vidéo est plus courte que d'habitude du coup, mais je vous referai une vidéo de ce kit très prochainement, bien sûr, avec l'avancée, et on avancera ensemble lors d'une vidéo comme d'habitude. Voilà, allez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo comme d'habitude et à mettre des petits pouces bleus. Voilà, ça permet de faire connaître la chaîne. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Ah si, une petite chose. La surprise pour le concours de septembre est en route, déjà. Donc, je vais bientôt les recevoir. Donc là, je vais les avoir en avance. Mais bon, vous ne les verrez pas avant septembre. Mais
qui est bien, c'est que je vais les recevoir. Je vais recevoir là le paquet dans quelques jours déjà. Donc, début septembre, vous êtes assurés d'avoir le concours. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bon visionnage. Bisous, bisous. Thank you.
Thank you.